Paul, l'autre, tout camarade. Hôtel, l'ours. L'ours. Dans une cigarette. Une cigarette. Donne pas. Une cigarette. Ah bon alors, donne pas alors, l'intéressant. Pirate même toute la famille, passe à au large comme requin, allez croiser où, allez. Passe l'intéressant, toute la famille, les pirates. A commencer par le papa, fait l'intéressant, il n'est pas plus haut qu'un bal de riz, 5 kilos là. Dis-moi, moi, j'ai un coup de figure, moi. Et ça, il m'en sait une cigarette, donne pas, il finit pirate, etc. Longtemps, il vient à la case, il reste plus moquette, fait le joint avec. Comme elle a demandé ça, une cigarette, donne pas, c'est intéressant là. Oh, on m'a trouvé papa dans la croisée chemin là. Mi dit, ouais, mi fait un toupie avec. Papa ressemble pas à rien, il arrive, marche torse nu, la plume sur l'estomac, les combs épines. Les combs épines, j'ai fait sa goût, et puis on te fait l'intéressant. Si on regarde la gueule de papa, il ressemble pas à rien. Ah, les gars, le papa, disons la grosse pomme de terre congelée. Non, sérieux, hein? Sérieux. On ne ressemble pas à rien, on prend des nix allumettes, fait le bras, de macaroni, fait la jambe. Et là, c'est refait la loi, donne ce main dans les sortes, là. Bonne tête levée avant. Ouais, ouais, on passe à Olaz, allez, à haut, ma diffuse, à haut, l'autre famille, les grands, là, il vient pour où, là. L'autre coup, pareil. Trouve Aïe, donne ce main, tout ça, allez, le gars, il fait l'intéressant, son frère, il fait la boxe. Allez, deux canons, il tape, lui. De monde l'a dit. Il paraît Bougla, un jour, la montre Python Saint-Rose, un coup de poing, la calin cyclone. Ok. Mais comment toi les bons dons, un coup de poing, tu calin cyclone. Et ça, il fait l'intéressant, il arrive gymnase de canon, monte sur le ring, drapeau la Réunion dans le rein, la musique en cuivre derrière, elle est comme Rocky Balboa, lui. Hein, ben si vous le frère Rocky Balboa, là, à moins c'est Rocky bat de béton, moi. Et Mac Coulement, tient son figure, Djali, hein? Les gars, le bougari sur le ring ne ressemble pas à rien, il monte en l'air. Prends la voix Rocky toute, Rocky la CDR. Alors le journaliste m'en a dit, quelles sont vos impressions sur le combat? Dit comme ça. Adrien, je veux le gagner ce combat. Si ce mec-là est debout devant moi, c'est un mec mort. Mais regarde, le boug me dit peut-être n'est bout de sel vraiment. Allez, waouh, ça a gagné un sac le coup après. Ficelle, ferme son gonier, pas gagné le temps trouvé. Après ça vient faire le VAT à la sorte, là, dans la plume, joie. Oh, oh, toute la famille dentelle pareil, hein? Le petit sœur casse à moi. Petit sœur, mon Dieu Seigneur. Longtemps, là, bonne boucle comme nous, t'es fréquente. Bon, bah, les Alpha Blondie, le Wexer, quoi. Comme elle a fait tant rien que tennissement. Peut-être que manche raquette plus longue que la nôtre, enfin, m'y connais pas, moi. Hein? Seulement l'un peu de masse obligé à envoyer les autres balles par en les affiler. Non mais sérieux. Et tout le temps il est comme ça, hein? Le tissé rien d'intéressant, il est pas encore fini vraiment, lui. Ah ah, sortant en France parce qu'il fait stage pour cause français. Il vient ici à la Réunion, un mot français qu'on n'est plus, un mot créole qu'on n'est plus, excuse. Je parjure. Tao, un coup mis debout là-bas. De bonnes affaires, bonne Peugeot là, l'établissement Peugeot là-bas. Eh ben, quand ça m'y voit, le tantine sont acheté à l'auto. Et là, il fait ce créneau, lui, là. Ils sont en France, ils sont emmenés un camarade, comment il appelle, norvégienne. Blanc, 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 tellement les blancs, les transparents, ils voient à la fois battre dedans. Ali était bronzé comme un jambon. Alors, les deux assis dans le type 205 blanc, les gars pour casser cuit, dit gars bouteille de lait, bouteille coca, nous fais idée. Et le bouteille coca avait plus capsule, il me signale l'azote. Hein? Alors, c'est lui qui guide. Lui guide, il fait le screno, lui. L'autre tantine dans le loto tient beau le volant, lui, il guide, lui. Recule, hein. Avance sur la droite, hein. Un petit peu à gauche. C'est bon. Avant, il garde, il dit, tonton, mais c'est un psychédélique féroce. Il me dit, le tantine parti en France, ouais, il y a une cause française, tout ça, il assure le business, quoi. Il maîtrise la langue. Allez, ouais, un instant après, le petit loto là-bas dans le camion de vin, n'explique pas comment le bouteille coca là qui met. Asté Ali, gros plairé, dit, recule, avance, voilà, c'est bon, décale un petit peu. Écoute, Ginette, recule encore, petit guine-guine.
Mais recule un petit guinguindé. C'est encore lui avait dit un petit chou aïe, peut-être. Un petit guinguindé intéressant, ouais. Notre famille là, les sérieux vraiment. Fais pas le couillon, non. Ben cigarette pèse gros abos. Donne pas. Ah bon, on maîtrise aussi alors. Rentre avec les gars comme ça. Et bon, m'allez manger encore la cause de grand-mère, hein, ou le vieux tobose là. Le grand-mère vit à moins son case. Mouvement, rougaille la coque de Zef. Tu calcules à moins corbeau, quoi. Corbeau, moi là, pour y tirer, pas moi. Et puis, me connais chez des affaires sous grand-mère aussi, hein. Son grand-mère met culotte les hommes le soir. Pour aller faire le sort de la croix des chemins, pour impressionner à moins. Autant tard, hein, pas besoin. Votre grand-père aussi peut mettre dans le même paquet, hein. Le grand-père, aïe aïe aïe, son passe-temps, il se pétanque chez Barachois. Si vous voyez que ça ressemble à un kangourou désossé. Allez, je pétanque. Trappe la boule pétanque. Ça balance ça dans la mer. Ma cabine sort dans le trappe le boule baisse et pétanque la gueule. Ma cabine, regarde, allez, dit comme ça, et le cochonnet sur la terre et pas dans l'eau, hein. Et ça, il fait l'intéressant encore, là. Ah. Ben, cigarette, non, mais mon truc, c'est cuit. Et que maman est là, tout de suite, il cause un lien à faire, il gonfle son jabot, mais pas bon. Parce que dernier bouga gonfle son jabot, moi, il prend pension belle pied, mais signe là-haut, hein. Alors, tu te tiens à carreau, mec, hein. Signe là-haut. Au moment, c'est un phénomène aussi, hein. À ce moment, bandé ce moment. T'as le moment, il y en a une terrasse, côté la caserne, la gendarmerie. Alors un jour, miwab, parce que bonne femme gendarme sort en France, tout ça, il veut bronzer, hein, apprécier un peu le soleil de la Réunion. Il monte dessus la terrasse, il allonge dans le sofa, il met un peu l'ombre solaire. Le moment, de copier pareil, il met lui l'alba sur le col. Au lieu de prendre un saisie, il allonge dessus, il allonge directement sur le véral. Ah, n'explique pas au résultat le lendemain. Ça a mieux ni trapper le soir, même l'embarqué. Ah, moi, ça mange encore poulet rôti sur le bord de semaine, ou la nifou. Mais déjà, oh, mais quel psychédélique wax. Aïe, aïe, aïe. Un coup, il trouve ce moment, il m'en allait comme ça, il me dit, alors, comment il raconte ton frère, ton fils partir en France faire le service militaire? Il dit, Patrick, il s'en sort très bien. Il a réalisé son rêve. Moi, en tant que mère, je suis très fier de mon fils. Parce que mon fils voulait être pilote, alors maintenant, il vole. Il dit, non, parce que nous, moi aussi, midi, hein, il connaît le gars ici, midi. Le gars, il avait l'habitude de voler vraiment, lui, mais ici, dans la boutique. Il dit, peut-être, il a évolué, allez, waouh, bien renseigné, connu que ça y fait, oh. Mettre bas les bras sous aile l'avion. Sinon, il tire limon sur coque bateau. Après, ça vient faire l'atterrissant, son garçon, la patrouille de France. Et il sort là, oui. Deux cigarettes, le frère. Un, donne pas. Mais bon, garde une cigarette pour vous. Mettre dans l'endroit bien sûr d'autres kilotes. C'est la première fois qu'il fait éteindre ça les coups de kilotes. C'est bon pour ça même. Allez, haut. Et anticonnés, créole là, dès que la prononce le mot boyal, boyo féminin, pluriel, ali kaka kaka ali pète à rire. Les comme l'autre coup, maintenant, un petit neveu, il s'en va à l'armée. Prépare-lui pour aller à l'armée, il tourne, il vient dans la salle de bain, il passe sa savonnette Rexona, dos sous la jambe, entre la cuisse, partout. À un moment donné, il trompe, il trappe la bombe cabinet, mette sous le bras. Et là, il est à l'armée pour aller prendre l'avion, il a. Adieu, livre pas ça va, lit ça va. Sans l'escalier, il tombe sur le tantine. Tantine, gros blairé. A dit, là où ça va, elle s'en va tout ça derrière. Le maman, il dit, plaît à pas, Catherine. Mais ça va, mais à rien, mais ça n'a pas fait la vie en France. Adieu, mais connais autre, comment on l'est. Adieu, ça va. Ça va ouvrir un peu du tout, mais qu'on est à haut, ça trouve les oreilles là-bas. Et le fille, gros plairé, rien. En serpillé, elle s'y a terre.
Et le maman, il commence à imaginer, il dit, eh, là, comme les barrés, là, les mal barrés, là. Alors, lui, en montant sa route photo, radifouille, oh, quitte photo. À un moment donné, mon Dieu avait pitié à trouver une photo d'un cahier de 100 pages, blanc et noir. Et sur le photo, le maman, il était sur la place, l'étant salé, camarade. Seulement, le photo, il était tout ni. Alors, c'est... Ah, le fait, il dit que le tantin dit, là, il faut m'y coupe. Alors, s'il trappe ciseaux, il coupe le photo en deux, l'autre à l'ombril. Trappe le morceau, là, il jette dans la poubelle et il garde le bon. Alors, il sonne, il arrive dans le fond, il remonte le tantin, piou, bien content, il laisse aller. Ah, il arrive dans l'allée, qui sale, il tombe dessus, le grand-mère. Ah, un grand-mère bandé. Ah, t'es bandé, lui. Il a dit... Moi, midi à vous, vie s'attrape à ce barreau-là, t'as envie d'en par moi une photo. Astel, le maman, il garde bien le grand-mère, il dit, grand-mère, moi, elle a fini d'une photo là-haut, arrête avec ça. Tous les jours, ça me même, photo. Elle dit, moi, midi à vous, vie s'attrape à ce barreau-là, tant que moi, elle est vivant, vie passe sur mon corps. Le maman, il imagine l'héritage. À un moment donné, il imagine un coup, il dit, les bon grand-mère, casse pas la tête, mi-monde, mi-sarodé. Il arrive en l'air, il ok, puis de photo. Il assise, il vire, il tourne. À un moment donné, imagine, il dit, ah, grand-mère, il en a 83 ans, il voit plus trop clair, il en a malol 24 heures, si 24. Dans les yeux, nana un péalinette, les gros comme le qui bouteille, les bons pour ça même. Alors j'y trappe photo y écrasé dans la poubelle là. Parce qu'à route s'y décrase. Alors j'arrive dans le feu, il dit, grand-mère, ah ben on a la chance. Ah on a la chance, dernier photo à ta mort. Regarde, hein, dernier. Et, pauvre diable, le grand-mère, ouais, puis trop clair aussi. Il trappe le fauteuil, il regarde, il dit, mon Dieu Seigneur, regardez un peu comment il ressemble son grand-père là-dessus. Espère. À un moment donné, il dit, même vilaine manière, je m'en regarde un peu, ça l'est pas rasé du tout. En plus, le cravate, il quoi, Gilles Côté. Cher public du Piton Bois de Lait, bonsoir. Vous savez, comme chaque année, la fête des Coyaves accueille son plateau d'artistes. Et puis, cet après-midi, avec le traditionnel Radio Crochet, nous allons avoir tout de suite un artiste ici cet après-midi avec nous, donc, Monsieur Patrick Couex, qu'on ne présente plus. Patrick, bonsoir. Je le connais déjà. Hein. Alors, vous êtes en forme? Refaites-nous ce beau sourire. Là. Alors, dites-moi, Patrick, est-ce que tu vas nous chanter un petit Sega ce soir? Non, ce soir, je ne chante pas de Sega. Hein. Je vais chanter un Neslo. Un comment? Un Neslo. Un Neslo. Ah, d'accord. Eh bien, vous pouvez me donner le titre de la chanson? C'est une chanson que je nomme « Pourquoi tu es parti ?» Eh bien, si vous voulez bien, nous allons tout de suite écouter Patrick Couex dans « Pourquoi tu es parti ?» Silence de chante. Pourquoi tu es parti sans moi? J'ai resté seul la nuit dans la fée noire.
Pourquoi tu es parti sans moi? Oh, oh, oh. J'ai resté seul la nuit dans mon culotte. Tu es parti sans moi. Tu as sauté la mer par le milieu du bidon. Et j'ai sauté le petit cerf derrière la cuisine parce qu'il paraît qu'il donne. Tu es parti sans moi. Pourquoi tu es parti sans moi? Oh oh oh. J'ai resté seul la nuit dans la fée noire. Tu es parti sans moi. Tu m'as laissé seul. Seul, tout seul. Sur ce grand lit près de la véranda avec un tapis mendiant que t'avais donné grand-grand-mère pour la communion de ton petit frère. Oh, oh. Pourquoi tu es parti sans moi? Yes, doudou. What can I do if you want? If you want, I glisse, yeah, je... Pourquoi je reste seul? Tu es parti sans moi, je me rappelle tous les beaux souvenirs quand tu te baissais pour ramasser les braids. J'étais cachette derrière le tuf de Jacassia avec des jumelles. Et je voyais tous les petits drapeaux sous ta joie fendue. Oh oui, c'était très beau. Pourquoi? Pourquoi tu es parti? Tu m'as laissé seul, désespérément seul. Oh, 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 yes, tout. Tu es parti sans moi, tu m'as laissé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité ce soir, un verre de plus et c'est de nouveau la grogne chez les planteurs. À Saint-Pierre, une opération Sauve Coco a été lancée par la municipalité. Aérospatial, Gora Patel assistera en direct pour nous depuis Kourou, 40e tir de la fusée Marianne 4. Enfin, en sport, incroyable mais vrai, Jean-Louis Priadon vient de battre le record du 1500 mètres. Des précisions tout à l'heure à la fin de ce journal avec Jean-Claude Bédard. Un verre, ça va, deux verres, tracas. Eh bien, ce slogan semble avoir eu écho chez les planteurs. Après le verre blanc, c'est au tour du petit verre de semer la panique chez les planteurs. Et comme à l'accoutumée, M. Angelo Laurent est monté au créneau. Moi, je me dis que la situation, il ne peut plus durer. Parce que, premièrement, le petit verre fait autant de dégâts chez les planteurs que le verre blanc l'a fait chez la canne. Deuxièmement, le taux d'alcool est beaucoup plus élevé chez les planteurs que dans la canne. Troisièmement, moi, m'y pose la question aux collectivités locales, quoi les plus rentables, coupe l'homme ou coupe la canne? Et je voudrais ce soir adresser à moi à tous les amoureux, c'est pas la peine d'aller dans le carocane parce qu'on a des incendiements très violents, et c'est à cause de ces amoureux qu'on a fait dans le culotte que nous l'a eu tout ça là cette année. Qu'est-ce qu'un maire à la retraite peut-il bien faire de ces journées? Nous avons à juste titre posé la question à M. Auguste Legros, ex-maire de Saint-Denis. Vous savez, le matin, moi, j'ai fait un petit jogging depuis mon carreau, mon parterre, Reine Marguerite, jusqu'à mon carreau, Yann Patate. Hein. De temps en temps, au passage, Zara Saint-Dezoumine, mais je reste pas trop longtemps parce que les positions ramasse-boîte, c'est plus pour moi. Hein. Je suis trop vieux. Je regarde aussi des films vidéo très, très hard, et quand c'est trop dur, eh bien, je bois des herbes contre le cap-cap. J'écoute aussi de la musique, j'écoute Où ça nous ça va, j'écoute les Beatles, j'écoute aussi Sabrina Gros Tété, surtout pour les clips. Et puis des fois aussi, moi spécialité, ça reste quand même le Margot Litchi. Hein. Ça c'est un fruit qui m'a rapporté beaucoup d'argent, parce que c'est un fruit complet, hein. On ne perd rien.
avec sa peau, on peut graffiner la gueule de tous nos adversaires. Deuxièmement, avec le grain, on peut faire des toupies pour tout Nambouric et tous les journalistes. Troisièmement, avec la chair, on peut, si on en mange trop, on gagne du relâchement. Et je voudrais finir, parce que c'est peut-être le fruit de la chance pour moi. Là, je viens de jouer Philippines avec Gilbert Annette, et je crois que d'ici quelques temps, je pourrai regagner la mairie, parce que c'est comme moi que l'a fait le Margot Litchi. Saint-Pierre s'est remis à l'heure des cocos et des cocotiers. En effet, la municipalité vient de lancer une vaste opération Sauve Coco, des précisions avec le principal artisan de cette opération, Monsieur Eliwaro. Oui, en effet, la municipalité de Saint-Pierre vient de lancer cette vaste opération Sauve Coco et nous avons privilégié trois sortes de coco. Premièrement, le coco d'or africain, le Mia Cayenus. C'est un coco qui a fait ses preuves et qui, je pense, pourra s'épanouir à Saint-Pierre. Il y a aussi le coco Fidelus. C'est le coco le plus nombreux que l'on peut trouver à Saint-Pierre. Et enfin, nous allons essayer le Pota Trisom. C'est un coco que l'on peut trouver dans la région de Saint-Paul, mais qui, je pense, pourra avoir sa place à Saint-Pierre. Et pour finir, je dois dire que nous venons d'inaugurer la troisième tranche de travaux et l'avenue a été baptisée. Ça s'intitule Eli et les cocotiers bleus. Un nouveau livre sort cette semaine de chez nos libraires. L'auteur n'est autre que M. Wilfried Bertil. Il raconte la passion d'un réunionnais pour son volcan dans un volume de 300 pages. Reportage signé Anne Boursonnet. Monsieur Bertil, La fournaise, la Poicamoin, est-ce un roman? D'abord, je dois dire que ce n'est pas un roman, c'est un livre qui retrace un petit peu l'historique des éruptions volcaniques à La Réunion, avec comme point d'orgue l'éruption 1982, où le volcan a dévalé la pente, il a poiqué la végétation, il a poiqué le bois marron, il a poiqué aussi le bas de mon pantalon. Je dois préciser que c'est un livre en promotion qui ne coûte pas très cher, vous avez une remise à l'arrière. En lisant le dernier chapitre de votre livre, on sent que vous nourrissez quelques projets pour ce nouveau site naturel. Quels sont-ils? Écoutez, je crois que Saint-Philippe a gagné 30 hectares sur la mer. Avec cette plateforme volcanique, nous allons faire plus tard une station balnéaire qui va s'appeler le Bouillot Brûlé. Les touristes pourront faire du monokini, peut-être plus tard du kituni. Je compte sur le conseil général et le conseil régional pour sponsoriser l'affaire, car il ne faut pas oublier, si j'étais un député à GAF, je reste et demeure un géographe réputé. En politique, être élu avec plus de 75% des voix à La Réunion résulte de l'exploit. Exploit dont le maire du tampon, M. André Tiadacoude, nous dévoile les secrets. Puis je crois que quand tac et tac idée, tac attaque. Et quand tac attaque sec. Et je peux vous dire que chaque attaque de tac est une tactique de choc dans un kata de chic. Et ça qui connaît pas tac, eh bien un kata kali et toc. Politique toujours, la transparence semble être le mot fétiche de M. Gilbert Annette. Quelles en sont ses applications directes au niveau de la municipalité? Réponse du maire de Saint-Denis. Je crois que depuis que de couleur est entré à la mairie, n'ayons pas peur des mots, un cafre la soie, je crois que les choses ont beaucoup changé. Dans un premier temps, nous avons joué la transparence de la gestion de la mairie, et dans un deuxième temps, nous allons jouer la transparence du personnel communal. Alors je m'explique, nous allons inciter ou même obliger le personnel communal de venir travailler en habit transparent, en robe, string, moresse, soutien-gorge et caleçon transparent. C'est vrai que nous n'avons rien à cacher, à commencer par moi-même. Quand je dis rien à cacher, ou presque rien. Je vous le disais à l'instant au début de ce journal, Jean-Louis Priadon vient de battre le record du monde du 1500 mètres. Cela se passait à Combustion. Des précisions tout de suite avec Jean-Claude Bédard.
Oui, Alex, vous l'aviez dit tout à l'heure, eh bien, Jean-Louis Prianon vient de réussir l'exploit de l'année en battant involontairement le record du monde du 1500 mètres en 1 minute, 50 secondes et 54 centièmes. Comment et pourquoi cet exploit? Eh bien, les organisateurs de ce meeting de Corbuston avaient simplement oublié de dire à Jean-Louis Prianon qu'une course de lévrier et de petit chien roquet allait se faire 20 secondes après son départ. Rallye des Poc-Poc, eh bien là, le groupe Cahier marque encore des points. En effet, les seuls, les trois 205 Turbo 16 ont résisté au chemin coup de cogne, ce qui n'est pas le cas des autres concurrents dont l'arrivée se fait par bout de voiture ou encore par petite cuillère. Enfin, pour terminer, relais des trois savates doigts de pied, victoire des Réunionnais Molécoque, Boismeg, Patbib et Tifusé. Voilà, Alex, pour l'essentiel de l'actualité sportive ce soir. Merci Jean-Claude Bédard. Puisque vous parliez Tifusé à l'Estol, eh bien la liaison est toute trouvée pour rejoindre immédiatement Gora Patel sur le pas de tir de la fusée Ariane. Sur le troisième étage de la fusée Marianne, dont le lancement est prévu dans un peu moins de 10 minutes. J'ai donc largement le temps de vous parler de ce satellite qui sera mis sur orbite tout à l'heure. Très bien. Bien, ça a mâché. Bien si mal, c'est cabaché. Merci. On nous signale à l'Estoc qu'un satellite supplémentaire a été mis sur orbite. Il s'agirait du Cosmogora Patelcom A. Voilà, sur cette bonne nouvelle s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je me présente Elios Colagol, 45 kg, 10 kg la couillonise, 30 kg la peau, 4 kg la saleté sous le ongles. Moi, je suis un gars, j'ai la chance parce que moi, je suis le représentant de la langue française en difficulté derrière le bazar. Moi, je suis un gars, j'ai la chance parce que l'autre fois, j'ai gagné un concours pour les passer un concours de cause du français en France. J'ai gagné un lettre, le facteur arrivé m'a donné un lettre, monsieur Colagol, il faut que vous partiez en France. Je désocle le barreau. Non, je désocle le portail. Et je me rends à Gilo. J'arrive à Gilo, je monte sur le balance avec le valise. L'hôtesse me dit, descends, c'est pas pour toi, c'est pour les bagages. Je dis, oh, excuse-moi, hein, je n'ai pas l'habitude parce que dans le bazar, je pèse le cochon, je monte sur le balance avec. Alors, j'attends mon tour. À un moment donné, j'entends un jingle dans l'aéroport. Fait ting, ting, ting. Les passagers du vol F463 destination de Paris, Nairobi, sont priés de se présenter au port 23. Merci. Je rentre dans le barreau 23. On me met le tampon sur le passeport, tampon sur la figure. Je sors dehors, sur le parking de l'avion, j'observe. Je grimpe sur l'escalier, je rentre dans l'avion, je me dis c'est comme dans le bus. Je prends un place au hasard. L'hôtesse me dit, assieds-toi, c'est pas pour toi ici, tu vas assise là-bas. Donc je décale un rang. À peine j'ai osé rouvrir la bouche, on m'a taqué la mienne. J'assise dans l'avion, j'entends un peu la musique douce, et après il y avait défilé des affaires de caoutchouc dans le collet. Je dis, oh là là, la compagnie aérienne ne fait pas de gros fruits, un défilé, tout le bon modèle est pareil. J'attends, j'attends. Ah, oh, à un moment donné, il y a une espèce de forme, il prend palais avec moi, il vient fermer la porte. Alors dedans, la chaleur a commencé de me poiquer. J'ai dit que l'hôtesse là, et toi, la espèce de figuille en macaque à face rouge, on touffe là-dedans, hein. La chaleur me se poique. Tu peux pas rouvrir un peu les nacos? L'hôtesse a dit, tac ta ceinture, tac ta gueule, on va bientôt décoller. Alors je tac le ceinture, je tac la gueule, et je serre fort sur le ceinture, la touffe la tripe, bizarrement. Et à côté de moi, il y avait un tantine. Qui était assise à côté de moi. Je n'en bouge pas.
À un moment donné, je regarde à travers le hublot. Qu'est-ce que j'aperçois dehors? Un petit camionnette Peugeot 4x4 qui râle la roue l'avion jusqu'à derrière la Jamaïque. Je dis, mais c'est pas possible. Un gros mastodonte comme ça, il n'y a pas des places à lui tout seul. Il faut un escorte avec lui. Mais j'avais pas bien compris, c'était pour amener l'avion, prendre l'élan. Faut pas gaspiller l'essence pour décoller. Alors l'avion arrive derrière la Jamaïque. D'ailleurs, on n'a jamais compris pourquoi ça, la Jamaïque, la mettre ça à l'entrée gilo. Se manquer de quoi m'attirer le choc parce qu'il y a de l'avion capable de l'atterrissage. Et bien, ils ont plein dans la saleté. Il a menti. Après ça, il y a la réunion, l'île à grand spectacle. Ben, nettoie devant la porte avant. Mais pas bon. Alors, l'avion se garde derrière la Jamaïque avec l'odeur la charogne, l'odeur batterie, l'odeur le chien crevé. Et nous restâmes, dans l'avion à respirer. J'entends le commandant de bord qui dit avec son personnel. Ici votre commandant de bord, décollage prévu dans 2 minutes, veuillez attacher vos teintures et ne plus fumer, éteindre vos cigarettes. Oh, mais dis-toi, tu causes un peu trop là-dedans. Ça fait une demi-heure qu'on est derrière la Jamaïque avec le dé la pourriture. Hein. Alors grouille-toi un peu. Hein. Ah, moi j'en avais. J'en avais, j'ai bandé. Je me suis mis debout. Je dis, hé, tous les mâles qui sont dans l'avion là, venez avec moi, on va le choquer. Hein. Parce que si on ne choque pas l'avion, il ne va pas décoller. Finalement, l'hôtesse est arrivée, m'a dit, tac ta ceinture, tac de nouvelle fois ta gueule. Ok. L'avion se décolle, je prends le livre parce que je vais passer le concours en France. Je prends des livres très instructifs, je prends un peu l'avance sur mes concurrents. Je lis à des livres bien, hein, Daniel et Valérie, Yataka, Kim Color et Zambla. L'avion atterrit en France sans problème, je passe à la douane et Boug me bloque. Me dit monsieur Colagol, je dis oui, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Ah, je dis moi, je ne suis pas une vedette. Hein. Je donne pas des conférences dessous le pied de Tech-Tech. Hein. Les Boug me laissent partir. Arrive dehors, je calcule, c'est comme en la réunion, quoi. On fait le coup de pouce et puis on arrête les camarades. Alors je fais le stop avec le taxi. Le premier taxi passe, arrête pas. Le deuxième taxi passe, arrête pas. Le troisième arrête. Quand arrive le quatrième, j'ai debout devant, je dis, et toi là, si tu passes sur mon doigt de paix, tu gagnes des ampoules sur le dent. Hein. Le Boug te cause même pas du français. Regarde, moi, je dis, eso no comprendo, soy espagnol, eso no... Ma, me dit, papa, moi, on a où ça fait l'essence, moi, là. Ma, dit, on râle à moi dans la salle, il s'est passé examen, bon créole, on l'a compris à moi. Alors, le Boug est fait rentrer à moi sur le banquette arrière, je traverse la ville de Paris, la tour Eiffel bien caratée qui me laisse passer. L'Arc de Triomphe, pareil. Et j'arrive dans la salle. Je rentre dedans, je dis... Bonjour, comment l'oyez-vous? Du verbe tout l'œil. Déclinaison en anglais. Ah, ah! Que vis-je? Oh là là! Ça c'est un rire ça. Que vis-je? Alors je... On a un rire les bambous bas à capuchin, hein. Que vis-je? Je peux placer un mot, s'il vous plaît? Alors, je rentre dans la salle, je vois tous les mecs des Norvégiens et des Suédois qui préparent l'Europe 93 pour la réunion. On appelle ça les envahisseurs. Je rentre dedans, je dis, alors les mecs, comment l'oyez-vous? Eh ben... Tout à coup, un gros bloc, la glace se leva. Marche comme ça, côté moi, j'ai... Hey, toi, mec, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande et marche à l'ombre. Oh, je dis, toi, crabe la taille, ferme un peu, hein. J'ai pas sorti de la réunion pour me faire commander par un bouc comme toi, hein. Après, le bouc en avait retapé ma chic, ça va, mon... Non, disons que...
Moi, je suis un non-violent, alors j'aime pas. Alors, j'ai parti dans une autre salle. J'ai parti dans une autre salle avec des créoles comme nous, tout ça ensemble. Alors je dis, les mecs, comment l'auriez-vous? Il a dit, dépêchez-vous, l'inspecteur a déjà arrivé. Je m'assois à côté d'une autre tantine encore. Je prends mon cahier, mon ardoise, mon morceau lacré avec mon morceau la chaux, avec une éponge, et j'attends. L'inspecteur se arrive, tranquillement. Quand ils sont baratés en français, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, je dis, on commence toujours par le demoiselle en créole. Hein. Mesdemoiselles, mesdames, si vous êtes ici ce soir, c'est pour une raison bien précise, c'est que vous allez subir un examen et nous allons voir à la fin de cet examen qui se verra offrir cette récompense de 8 mois en métropole afin de se perfectionner en français. Tu manies bien la langue de ces Molières, toi. Hein? Dans un premier temps, messieurs, dames, vous allez me conjuguer le verbe tenir au futur et dans un deuxième temps, le verbe je vais au cinéma. Oh, je dis, là, tu m'attendais un piège, mais je ne vais pas tomber dedans. Hein? Tout de suite, je prends mon stylo, j'écris dessus le papier et je cachette bien ma feuille avec mon bras. Parce que le femelle qui était assise côté moi a rodé de copier sur moi. J'écris, hein, je tiens Baudoré à I. Tu tiens Baudora à S, il tient Baudora. Nous tiens Baudoron, vous tiens Baudoré, il ou elle ont largué parce que TFM La Peau m'avait déjà vu. Après, il y avait le verbe je vais au cinéma. Je dis là-dedans, il y a un piège. Je vais pas tomber dedans. Je vais au cinéma Ré. Tu vais au cinéma Ra, il va au cinéma Ra, nous vais au cinéma Ron, vous vais au cinéma Ré, il ou elle, on chie avec ça parce que t'es un deuxième film, la paume avec nous. Après, pendant la récréation, l'inspecteur me se convoque. Monsieur Colagol, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Moi, je viens, je dis, qu'est-ce qui me vaut le déplacement de votre majesté en face de moi? Monsieur Colagol, asseyez-vous. Voilà, j'ai pu constater que votre copie et celle de votre voisine sont absolument semblables et similaires, il y a exactement les mêmes fautes. Alors j'aimerais savoir qui a copié. Je dis, peut-être tu veux dire que j'ai copié tous les canards, qui a suivi la copie de cette tantine? Tu calcules, je vais copier des malmanies comme ça ou quoi? Tu as regardé la gueule de tantine qui était assise côté moi? Le bouc prena du recul. Du non, j'ai pas fait attention, pourquoi elle avait quelque chose de particulier? Je dis non, mais il fallait bien regarder son figure, hein. Son lèvre TP par un pas chocolat taponnaise dans la fête. Son tourné était là, on avait la plume noire dedans. C'était pareil, paille de fête, pas si m'a mis le lendemain en communion. Et il avait tellement bouton sur son figure, t'es gagné, fait un rap coco avec. Et dit tout de suite, j'ai tiré des corners. Parce que des corners comme ça, moi j'envoie le ballon dans le filet, je vais pitraper après. L'inspecteur n'a rien voulu entendre. Il a enfermé moins d'un cargo direction La Réunion, container. Mais avant de partir, j'ai dit deux mots, moi. Ah, moi, j'ai pas laissé faire. J'ai dit, je vais te dire une affaire, toi, monsieur l'inspecteur, soi-disant. Hein? Tu dis, La Réunion, il y a le taux des RMI le plus élevé, là. Ben ouais, un grand pays comme la France, là. Mais tout désolé au cul aussi, hein. Ah, dis pas moins, un pays comme la France, là, un camion canne n'a point. Avec ce bon bagasse, ça m'y connaît plus où c'est fois assise. Côté bagasse est vicieux, ça ils sortent là-bas bois rouge, viens poster là où qu'on n'aime ça mettre à moitié là. Après ça colle ma culotte blanche et pareil où la bronzée qu'un peu passoir dessus la fesse. T'appelles ton vieil serre. Ça est bon même pour vous. Voilà la société, comment elle est là, il est oui Amazon tout de suite là ta tapette. La femme elle a dit. La femme elle a dit les hommes aimez-vous les uns les autres. Il suffit d'un petit groupe, il amène l'autre, voilà tout de suite pédé tapette. Voilà comment ça il est. Ah
Parce que ce petit sac de TV, m'y en fout. C'est un taxi. T'es bonnet. Mon slip là, ici à moi. Connais comme là, on a quitté slip lambada. L'autre avec tes slips, t'es obligé de garder le slip à la fesse, comme elle est obligé de garder la fesse pour voir le slip. Je suis fatigué, Claude. Le soleil rentre là, mais il n'ira pas supporter, mais il n'y a pas mon lâche. Moi, c'est le dernier escapé. Les autres, et puis là, elle a fini disparu. Mais qu'est-ce que ça a fait avec? Il paraît la ramasser à partir avec. Sida, hein, féri azote, hein. T'es un coup, m'a raconté cette affaire, mon camarade est parti faire stop, la route est encore niche. Je vais aller danser là-bas Saint-Pierre, il fait stop avec son petit pouce par les vilains Billy. Alors premier loto, il passe, il arrête pas, deuxième loto, il passe, il arrête pas, quand avec troisième loto, t'es un camion avec un bon pédoquet dedans. Le bouc a dit comme ça, passe derrière. Ah, mon camarade a dit, mais passe pas derrière, passe devant, sinon monte pas. Écoutez, ça l'a gagné un radar dans le camion. La jette le corps dans des tétrapodes. Et c'est le lendemain matin, radio, télé, dit, voilà, la perle, elle est roi. Le lendemain matin, le roi requin dépose le corps sur tétrapodes. C'est comme ça, la mer, elle n'est pas une poubelle. Moi, il fait pas rire, moi, ça fait comme ça. Hein. C'est curieux, moi, c'est pas rire. C'est cruel. Cruel. Un coup, mon camarade m'y arrive, m'y voit aller en l'air le canon barrage. Il dit, oh là là, quelle prétention. Encore plus vicieux que moi, il assis sur le canon, il voit pas le bout de le canon. Il dit, Jean-Alain, descends vite, me faisait causer des coups. Le bouga glisse sur le canon, c'est pas y en a plus une térébenthine là-dessus. Quand il donne ça fait un bruit ventouse, paf. Et c'était un midi, on danse, viens pas danser avec nous en France, ça là, enfin pas en France, mais il dit, viens danser saignette, dit comme ça, Nicolas Pixot, parce que vous êtes toutes les volages. Jusqu'à nous les volages. Ah, midi, on a des affaires sur cette terre-là, mais... Ah, il part, à moins. Et l'autre côté plus joli, nous a monté à plein des cafés, je ne vais pas aller danser là où est-ce coupe volante. Putain, Zot, mais t'es qu'un camarade, qu'un troupeau aux hommes, bien sûr. Alors, ça va là-dedans, on danse lambada, funky, tout ça, bon, on reçoit la mode. À un moment donné, le deux dissolvant là sous la main, il dit comme ça, mais il ne peut plus tenir là-dedans, mais il ne peut plus, mais il ne peut plus. Alors, on a sorti, il dit, ça prend un peu l'air dehors. Alors, mais ça prend un peu l'air dehors, mais troupeau aux hommes, il suit à moi, il dit, ça arrive à Zot. Alors, on me dit, saute le fil barblé, mais ça va dans un pèse prairie, on avait un femelle bœuf avec un mâle taureau, t'as son creuset. Heureusement, on m'a pas baissé pour Amazoumine. Heureusement. Non, la chaleur, pas quand même bon peu, alors... m'a allongé du sous-pied acacia. Puis m'a gagné sommeil, hein, la fraîcheur, brouillard, tout ça. Et le femelle bœuf avec le mâle taureau, t'es venu causer, faire un petit peu la conversation, on connaît, il y a le dimanche. Les animaux veulent faire rougailler la langue. Alors il arrive, le femelle bœuf, t'es pleine, avec un bidon de lait sous le vent, épais comme ça. Avec 5 tétés, les longs comme Télé Saint-Dieu viennent de sortir. 30 cm et demi à tété. Alors maman, la gagne sommeil, mi-dorme, à un moment donné, la mission a fait caresse mon nombril. Ah, comment la rouvre le zim, la sueur sauté, me dit, messieurs, mais jouez pas, mais prends pas tout en même temps, haine par haine.
Tu as vu mon nouvel engin? C'est Mikoz Mimoto. Nicole, viens. Viens, je me fais cabrer. J'ai pris des engins. Ah, tu as... Mais tu as vu pire, non? Viens pas. Ah oui, c'est pas MI-16 ou l'S. C'est bon, c'est rien. Je vais trouver quelqu'un à mettre dessus le porte-bagages. Ça, c'est un moto, ça va tellement vite. Comme il roule sur le boulevard, le phare devant, il passe devant. Ou vice-versa. Un coup, passe sur le boulevard, tellement le moto-là, t'es son baya. Les gars, dit moto, il passe avec l'invisible. Je peux causer, hein. De toute façon, là-dessus, ouais, je porte bagarre là, mais papa, tu maman, tu sais, à tout. La famille m'ira en montant sur le boulevard. Mad Max numéro 9. Viens, oh! Où la peur, quoi, les flics? Oh, mon Dieu Seigneur! Ce bon bébête la nuit, là? Il y a Val. Le dernier, pas quoi, comme elle est dans la glace Belle-Pierre. En congélation, provisoire. Ah, on a fait du chemin en bout, hein. Ah là là, mais là, les jusqu'à bizarre, pourquoi tu veux infliquer là? Bonsoir. Oh, je n'aime pas ce sifflement strident. Ah, par ici, là. Bonsoir. Ah, du temps carré. Ah ouais, moi aussi, mon aime de mollet carré, là. Ça commence bien, là, hein. Promène? Ben, disons que je bats de carré, quoi. Et où ça va comme ça, là? Oh, je visite les alentours, les pourtours. Ah. Belle moto, hein? Ah, il ira là-haut? Doucement, hein? Mais dis-moi un petit truc, on a des papiers là-dessus? Non, sur le moto, non, mais sur moi, oui. Oui, oui, c'est ça, sur où? Bah, cause bien, t'es! Moto, pas la langue, ça? Mais dépêche, parce qu'on m'a pas rien que c'est un coupé à soir. Merci. On appelle ça un papier, ou? C'est un viatisette, peut-être. Me sort de là-bas, putain, pas venu. Oh, oh, ici, hein? Oui, chef. Dis-moi un petit truc. C'est un 6 ou un 7, ça? Ah, m'y connais pas, la FPA monte à moins qu'on jusqu'à 3. Mais pas dire aussi c'est un 6 ou un 7, hein, mais pas avec ça, hein. Dépêche, ça, on a besoin d'avoir les enfants du rock, là. Oui, mais plus pressé, quoi, moi, quand même, hein. C'est pas un moto trafiqué, ça, non? Non, 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 non. Neuf vient d'acheter. Mm. Non, disons qu'on m'a pas acheté, m'a trouvé t'aider un bronze gouillard. Oui, oui. Les freins, faudrait revoir, ça, hein. Pourquoi? Ben parce qu'ils freinent pas. Comment ils freinent pas? Attends, on monte le technique, saute en haut. Écoute-moi, hein. Non, je vais t'en montrer comment on fait. T'es sur le moto et nous on freine avec les talons devant comme ça. Et vous trouvez ça malin? Non, mais il économise l'affaire, le frein, quoi. Le bout d'avant, ça t'es plus couillon en couche, moi. Ah, même il connaît pas, moi, maman elle trouve la technique, le patin. Elle est très utile pour la langue. La lumière, là. Oui. Ça, c'est la lumière normale, ça, là-dessus? Il y a assez d'un chemin, on voit pas, là. Il fait l'économie d'énergie. Ah, oh, kaki latina dynamo, donc. Ou à moi, monde là-dessus, ça a dit, non, si son moto. Ça, là, l'a fait dynamo. Ça suffit. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et huile de synthèse. 3,14. Pas ça à côté. C'est quoi ça à côté? C'est le numéro. Oui. L'écrit 3,14683, t'as une édition de la compétition. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire les flics n'ont pas le droit de bosser sur moto quand elle est à l'arrêt. Ah ben. Ah oui. Là où on a pour la soirée. Et si un petit moto comme ça au monde sans casque as-tu? T'es au point, c'est un point stérilé, quoi. Malin, hein. Continue comme ça, tu seras obligé qu'on fasse, hein. Ou coffre qui ça, ou figuelle comme un poisson, coffre, coffre, mon corps. Oui. Mais là, tu vois pas, tu fais un pléonasme de langage. Là-bas. On fait un bout comme ça. Dans le milieu de l'océan. Regarde ici, ici, là, là. Ici, ici. Avance. Maintenant, maman, plus gros coup, hein. Dis, ouais, tu ouais, ouais. Pourquoi fais plus en masse, tu fais 15 ans, je fais la loi lycée. Oui, oui, allez, hop. Ça suffit.
Ça, c'est une photo là-dessus? Quel mot, c'est peut-être. Alors, dis-moi un truc, pourquoi là où les noirs et là où les blancs? La pommade Michael Jackson, mec. Cosa où, mon napou, là? Sorte la baie bloc, les gars. Chut! Mettez-moi le moto debout sur le calpier. Après quoi encore? Tu n'as pas mis coffre au bonhomme, hein? Ouais, ma fin diao, ou te place-les dans la mer, ou cause qui bouge. Vous les musiciens ou quoi? C'est ah, quoi ça? Vous calquez ça, saxo, grand-père, mettre là-dessus? La famille dehors, hein? Tu vois pas ça pour détendre? Peste tête pioche? Oui, ça va. Et ça, les permis de rechercher, ça, non? Non, mais disons, c'est un modèle vient de sortir, peut-être les rechercher, effectivement. Ah, modèle vient de sortir? Ouais. Et comment on appelle ce marque-là? Un mets de... mets de lait. Un comment? Un mets de lait. Un mets de lait. C'est un mélange de toutes les pièces qu'ils ne trouvent pas dans le catalogue de la police et puis on fait un moto avec. Ouais. Un mixage, quoi, un remix. Un remix. Bien sûr. Puisque c'est comme ça, mais ça part tard dans mon écho parce que moi, on a d'autres choses à faire à la maison. Ça garde Santa Barbara, mais je suppose. Ça suffit. Ah, on ferait bien le Santa Barbara, oh. Mais fog, le bon, ben écoute. Casquette. Hein? Comment? Non, mais tu n'as une galette de riz sur la tête. Il est amusant, ça trouve ça drôle. Non, mais disons qu'il va au bien. Heureusement, on a le casquette pour relève le boug, parce que sinon... Alors, va faire toujours un petit tour avec ça. Tu connais les cyclettes, hein? Oh, ça va. Ça suffit, ça suffit. Oui. On va faire toujours un petit tour sur la déclamation en fait. Oui, oui. Et on passe maintenant du Nakari. Oh, ouais. D'accord? Là, oh. Regarde le flic sur le moto. Ils ont camé le chien bois sorbet. Allez, à haut. On va baiser un bro, c'est que ça, haut. On va dire moi une nouvelle, quel goût goudron nana. Parce que c'est intéressant, on va. Tête pioche. Toutes les gueules. Ah, ça même. Regarde-nous. Parce que c'est intéressant. C'est un dentel, ça peut être intéressant, là. Fais la loi comme ça, qui met un petit bouc comme nous. La bouc promène dans la ville, et cagoule, il n'est pas arrêté. Et ça, il vient dans la mairie, hein. Depuis à la mairie, il rentre dans la mairie, son frère a plus de dentelle encore. Son frère est assis dans le bureau, il fait l'intéressant, il a un moustache taillé dans le bois fanzan. Là-dedans, il passe cirage, fait briller, mettre la patte en l'air avec son dépoignard dessus le bureau. L'autre fois, mon tonton avait déclaration Firinga pour aller faire, mais ça va, son frère contrôle. Je rentre dans le bureau, il en a un gros bonnet juste devant moi. Le beau gars arrive, il explique son cas, il dit, j'ai perdu un éléphant, le vent est parti avec, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver l'éléphant? Ah ouais, le frère dit oui, on va rôder votre éléphant. À moi, il arrive derrière, il me dit, voilà, on connaît, nous, on est un peu timide quand on rentre dans le bureau. Il arrive derrière, il me fait, il peut rentrer, s'il vous plaît? Il me dit, entrez avec le pied, doigt de pied, entrez. Mais rentre. Il dit, voilà, je viens de la part de mon tonton, il a perdu un cochon. Il dit, oui, quelle est la grosseur du cochon? Dimension la cuisse? Longueur miso? Quel sabot avait dans le pied? Quelle qu'a été la plume sur le dos? Longueur la queue? Arrête avec ça, t'es! Ben, mon gars, t'en m'as payé alors! Que m'y veut mal parler ou qu'au mirage l'a dit la fée, mais moins les bons poutiroki. Qui ça le terre, pas moins la faute, moins les créoles, pas moins le terre, demande des fins, c'est pas trop qui. Lui-même lui va répondre à ou tiroki, tiroki. Ça même ou les bons tiroki, mon ami, la papy couillon. Si qu'un travaille à la commune, la catimane a cinq qui fument, les autres y tapent un petit belote. D'un camion qui en part soleil, patron y casse un petit sommeil, dans son ventre la bière y balote. Li bois pour nous, li bois pour Tiroki, Tiroki. Ça même que les bons Tiroki, mon ami, la papi couillon. Maman et l'école les plus bandées, comme la signe son carnet, des fois de y regarde pas li. Qui ça l'été prend soin premier, pouli les morts et enterrés, quand ça ou ça demande pas li.
Lila pas pour son nez la dent, Tiroki, Tiroki. Ça même zote les bons Tiroki, mes amis, la papi couillon. Liline travaille chez un oreille, li force surtout le jour la paye, pouli gain finit son ménage. Li lave la vite et cotentise, monte pas trop haut dans son vertige, mais li est bon pour commérage. Un tel Ali à moins Raoult, Tiroki, Tiroki. Ça même zote les bons Tiroki, mes amis, la papli couillon. Créole, cisote, nénas, enfant, à Montazote, comment longtemps, papa, maman, t'es Tiroki. Le seul effort que papa l'a fait, c'est fait moment sans trop forcer, un petit baba tireur au qui. Qui ressemble à moins, qui ressemble à zot, Tiroki, Tiroki. Ça même zot les bons Tiroki, mes amis, la papi couillon. Merci bien.